Ben, on va voir justement si vous êtes prêt à aimer. On va faire une interview par amour. Kamel Ouali, est-ce que par amour, vous seriez prêt à vous déguiser en Elton John ? À fond. Ah ouais. Oh ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à prendre 17 kilos ? Non. Non. Apporter des nattes ? Ouais. Ouais. Deux petites nattes blondes, je sais pas. Ouais, pour une journée. Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à vous mettre aux drogues dures ? Avec des nattes, hein, toujours. À quitter la Starac ? Oui. Ah oui ? Ouais. Je crois autre chose. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à ce qu'elle commette quelques infidélités ? Ça l'énerve déjà. Ça l'interpelle, en tout cas. Ouais, c'est... Quand on aime quelqu'un, on a envie que cette personne soit heureuse. Du moins sexuellement. Avec moi, alors. Il n'est pas d'accord. Il n'ose pas dire non, mais il n'est pas d'accord. T'as envie qu'elle s'éclate un peu. Alors, Kamel, est-ce que par amour, vous seriez prêt à vivre à trois avec son amant ? Sûr que non. Sûr que non. Ah, c'est déjà, sûr là... que non. Ah, impossible. Est... Ouais. Allez tous les trois dans un club échangiste, non ça plus. Ça y est, c'est reparti. Oh là là. Pour un kiff, ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Ah, ouais, ouais, bah oui. Il est prêteur. J'ai pas... Attends, non, attention. On peut être juste voyeur. Ouais. Tu me débectes. Vous seriez prêt à devenir son esclave sexuel, par amour ? Avec beaucoup de mal, mais ouais. Une Vous n'avez jamais été esclave sexuel. C'est pas trop mon truc, hein. Ouais, c'est pas trop votre truc. Non, drogue. Là, tu cherchais un mec brun, très beau, avec des belles dents. Tu l'as, là ? Ah, il est déjà pris, en plus. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.